Professionnel soin nan kayo se yon pati important nan ekip sante ya ak yon nan profesyon kap devlope pi vit aux États-Unis. Asistan soin nan kayo se pote moun ki gen anpi de l'âge ak moun ki gen yon handicap pou yo karete viv la kayo san danje, le asistan yo ede yo nan aktivite tankou kwit manje epi fè achat nan maket. Massachusetts ofri yon formation gratis en ligne ki pral montre yo kompetans ou bezwen pou vinyon profesyonel kap travay nan yon kay. Le ou bay soyons l'autre monde qui n'a besoin, c'est un coup à bailler la vie. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable grand bagaille au meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai au senti. Parce que santé mentale au compte. Salut, salut, compatriotes haïtiens. C'est toujours avec un peu plaisir sous caméra mosaïque Info Haïti. Nous toujours venons joindre nous pour nous porter bas aux outils qui nécessaires pour battre avec la vie. Dans la vie, monde qui pas tomber, monde qui pas mourir, c'est monde qui pas fait là. Depuis ou fait, eh bien condamné pour mourir. Qu'il, ça, c'est grande question. Est-ce que ou même ou pas jouer un rôle là-dedans tout? Est-ce que c'est un bagage qui vini par hasard ou ap tombe ou mouri pour y aller plus qu'à un groupe moun que l'autre moun? Est-ce que ou pas supposé jouer un rôle pour là-dedans? Eh bien, je dis, n'a pas parlé de longévité. N'a parlé qui rôle qu'on ka jouer dans la vie ou parce que la vie ça son marathon. Son marathon tout au cours parcouru, li pral dépend de qui sont fait, qui préparation fait dans la vie ou qui sont ramassé pour mettre là encore tout au cours parcouru ça. Eh bien qui capable mener on lance ça nous reler longévité a est-ce que ou pral tomber dans 2 ans dans 4 ans dans 20 ans dans 50 60 ou quand kou boy ici que ouais gen un groupe moun bien sûr nous ka gen pour retourner sur ça qui rive l'an 80 ça dépend de qui ça. Bon, pour que vous compreniez bien, la santé, nous avons un facteur génétique. C'est-à-dire que vous avez un groupe de monde qui a une série de gènes qui prédisposent pour une série de maladies qui sont capables de vous aller. Et surtout, dans le domaine cancer. Ça, c'est génétique. Mais tout, des facteurs environnementaux, environnement qu'on va vivre là, côté habité, est-ce que c'est une zone qui pollue, qui contamine, risque qu'on gagne là, est-ce que zone là ou capable rester là poum poum et puis ou chita la caillou on balle entre le prend. Est-ce que gen l'autre facteur encore la zone ça qui impliquait là-dedans. C'est-à-dire que conditions économiques, éducation, tout ça a joué un rôle là qui pral déterminer ça les social determinants qui pral gen implication la combien de temps la marathon ça au café sur la terre. Gen l'autre facteur tout. Facteur ça c'est behavior. Qui j'ont comporté ou. Commencez par vous pouvez ça clair ou son nèg qui pas dormi. Manque de sommeil ça ka gen un bon impact sur système cardiovasculaire. Ou son nèg qui fume. Cigarette ça, tabac ça, li la bien impact
sous même système yo, système cardiovasculaire est capable en blanc poumon par exemple, il est capable si c'est pour faire cancer du poumon, il agit sous estomac, il agit sous cœur, il agit même dans vessie. So, nous ouais cigarette là, il aller il capable alors que si acheter ou pas acheter, il a gagné toute implication ça pour sous couple la vie quand on prend l'air ou tomber la route. C'est-à-dire, nous dit la vie à son marathon que lié. Ingestion qu'on fait, son fait avec corps, car important. Par exemple, vous regardez un jeune petit monde qui a bo ici, hein? Étude ça, vous fait. Quoi? Exercice, par exemple, qui est un facteur, n'a qu'à dire primordial, la santé. Mais d'un côté timoun fait plus exercice que l'autre timoun dans l'école dans l'environnement que yo y a. Est-ce que côté on pas faire exercice la safe, il y a toute une série de facteurs qui pour par exemple qui gain implication dans santé timoun ça. Parce que n'a prend depuis en bas. Nous déjà rendons compte que par exemple maladie ou te konn wè qui t'a privé dans 40 les moun gain 40 50 quand on sucre, on ne va pas parler d'étape 2, diabetes, on ne va pas parler d'étape 1. C'est surtout les gens qui ont arrivé dans les 30, les 30, 40 pour voir ça. Eh bien, récemment, CDC rapporté combien de gens de 10 ans à 19 ans, pourcentage là-dedans qui développent le sucre. Et ça, on tient en parallèle avec Child Obesity, les gens qui obèse. Ça allait parallèlement tout avec consommation, fast food, quantité à tout. Donc tout ça a joué un rôle là qui dit sous route la vie hein, qui peut mener peut-être dans 80 ou plus, les plus robustes, qu'on a qu'à supposer arriver. Mais ça dépend. L'anjakout l'an, pendant qu'on wap l'an marathon sa, tout au cours de marathon sa, qui sa wap pren, qui sa fait, qui pou menon la. Ou ka fon bagay, qui pote seke la. Pi vite, quand kou gon l'autre wap fait kap menon aller plus loin. Oui, nous disons un facteur d'ordre économique, nous disons un facteur d'ordre environnemental. But cependant, ou même tout, ou gen wol pao pour jouer l'an jouet la. Et moun pa ka fèl pou ou. Moun ka aide ou, mais c'est ou pou fèl. Et cela en toutes choses, le triangle la vie. Triangle que nous-mêmes nous relè, son triangle lié, nous dit santé, nous dit économie, l'argent, et puis nous dit spiritualité. Parce que c'est moun nous yé. Nous pa ou bo. So, li important pour comprendre ni. Et c'est pas les maladies rivées pour prendre décision ça l'autre tout près entrer on baïk pral faut entrer dans cercueil là et puis c'est les sort pral décider pour moi si on va faire autre là il pas jamais trop tard bien sûr mais puis bonheur c'est grand matin pour entrer dans coupe ça parce que coupe là pral droit devant pour ça qui pas faire marathon là et puis ouais gen moun ka faire exit ka pré exit ça dit y a tomber dans cercueil là dans toute la route la vie allez dans route la vie c'est marathon là. Il y a un cap pralé. Il pralé devant. Il y a nourri koyo. Il y a fait exercice. Il y a pris tout soin koyo. Et puis il y a pralé. Il continue chaque jour, au jour le jour. Il y a un monde qui a fait l'autre bagay, qui se reprend. Et puis, ou fait coup là. Tombe dans ce cœur là. Ou fait coup là. Ou tombe dans ce cœur là. Tandis que l'autre a pas. Et c'est ça la vie. Donc, là, nous avons parlé de triangle ça. C'est un bagay individuel. Chaque monde pour prendre responsabilité par face situation. Oui, nous comprenons les différents pour chaque monde. Nous parlons d'ordre économique, nous parlons d'éducation. Éducation joue un rôle important pour apporter changement. Nous même arrivé dit que ou pas qu'à un groupe qui est affecté, ou pas qu'à apporter changement car groupe ça sans que yo même yo pas participer dans process là
Et pour participer dans le processus là, yo obligé traverser pont éducation. Éducation est à la base presque de toute chose. Ou obligé des informations. Now, avec évolution de ce grand monde, gain information, gain misinformation. Ça ne qu'à répéter lui. Information pour piller d'ailleurs, surtout avec internet là. Mais est-ce que toute information c'est vraie information qui pour avoir protection? Ou bien gain en pile misinformation qui ca la gueule en chouboum, qui capable emprunter route secrète là plus vite que ça. Qui Jean ou pral connaît information et mise information. Bon. Ça nous est le common sense. Faut questionner. Le on bagay moun dit tel bagay. Koto jwenni, qui étudie fait sous lui, qui comment fait arriver à ça. Le moun dit, ah non, c'est moi m'si yendel. Non. Il va travailler comme ça. Gen information scientifique, sou believe la science. Science qui mène à changer la vie. Si nous prenons côté tout, côté nous teye, et qui côté nous brale, la science joue un rôle dans l'existence de l'homme pour changer. Je ne pas dire que je cochu qui fait là-dedans, qui est capable parfois pour te bagay qui assez négatif dans l'existence nous tout. Ça dépend de qui Jean ou servi avec elle. So, qui ça ndaka et ndaka dit pour m'attendre de où si vous comprenez ça n'a pas l'air qui gens pour protéger tête si moun ça qui fait li gen responsabilité famille et l'aime dit responsabilité famille li dépend en pile bagay de famille condition économique famille éducation famille et tout ça. Le map di éducation, ce n'est pas tellement bon l'école seulement, non? Parce que, ça me clé la dame qui connaît. L'autre des familles qui mieux informées, qui cherchent information, li pas nécessairement ou scolaire pour les mener dans la bonne voie, pour l'aller, li qui ont une responsabilité envers les gens, qui mènent le cadre de terre, qui viennent qui aller pour le vaccin, pour faire du bagage. Nutrition, qui gens pour le manger avec les moyens du bord. C'est même ça le gain. Nous connaissons déjà qui ça a créé plus de tort ou plus de bien à la santé. Nous connaissons les gens manger en pile légumes, fruits, légumes et nuts. Hydrate de carbone, supposé balancer tout jet ça au besoin de protéines. Qui source protéines que gain? Est-ce que bœuf, cochon, cabri, tout ça yo? L'autre fait abio, l'autre monde qui fait poule, poisson, terre qui j'en prépare et tout, ça, il y a l'autre dimension, la propreté. Ou j'en protéine tout, l'autre substance. Gen moun kon doit prendre la végétable, non, gen protéine également. Ben j'en dans la viande, ou capable d'utiliser. Et qui j'en tout, gon question de portion. Question portion, hein? Bien, on dit, vous mangez pour ventre plein? Non. Vous supposez manger pour pas grand goût. Parce que nous rendons compte, parfois, nous mangez deux ou trois fois plus quantité qui est nécessaire pour faire balance dans le corps. Donc, l'on mange une pile comme ça, finalement, il y a un impact sur vous. Il est accumulé. On dit par exemple, nèg la levé, moun nan levé, li dit, ça le fait pour vous. Oh, le font bon petit macaroni au gratin, m'a dit, c'est pas mal de ça. Qui quantité? Salade pomme de terre, qui quantité? Songez tout ça, m'a dit là, c'est hydrate de carbone qui est. Et puis, après, on camion dit oui. Mais, qui j'en corps pour réellement recevoir tout assaut ça, qui a pour le digérer, yo, qui j'en pour l'été, pour toute calorie, ça qui j'en pour le brûler, sous pas fait exercice. Ou prend trop déjà, oui, mais en plus, sous pas fait exercice. Donc, ça, au cours des années, l'a accumulé, l'a pas affecté.
Quel l'autre facteur tout dans balance là? Facteur d'ordre émotionnel, psychologique. Juste, parfois, pour nous autres haïtiens, nous pas prêter attention combien déjà vivre aux États-Unis, il y a stress là-dedans. Parce que son l'autre modèle de vie, ou son machinouillé, ou à pousser, ou à virer, ou à pour mettre au diapason, sans besoin qu'il y a pour vivre. Mais toute l'autre calamité que nous recevons, sorti dans le pays, que ce soit ces earthquakes, que ce soit ces gros fléaux naturels qui passaient, mais qu'on y a sur le plan social, ni presque nous pas qu'à vivre. Et même là, ou même qui boit ici, ou bien frères, sœurs, amis, tout le bagage, et ces pays d'abord, tout ça a une implication. Et nous pas jamais faire une réunion, un meeting, côté pour nous verbaliser, pour nous mettre émotion dehors, en tant que d'un côté thérapie. Pour nous. Le pays, ça, déjà, sans nous pas rendre compte de nous-mêmes, ça nous passait déjà, mais l'on vient rapporter, ça n'a pas en Haïti, mettre sous ça, ou que jeune monde qui est nécessairement capable d'éclater. Donc, si ou pas prendre précaution ça, sur le marathon ça, eh bien, ou pas priver dans 80. Ou pour les jeunes garçons qui ont tombé dans 40, jeunes garçons qui ont tombé dans 50, est-ce que c'est consulté? Et qui maladie qui fait ça plus? C'est maladie cardiovasculaire. Qui commence avec obésité, qui commence avec sucre, qui commence avec cholestérol, qui commence avec tension, et tout ça est capable d'arriver fait ce qu'on a. Sur l'an qu'on bat la vie, balance l'an c'est où pour faire. Quand c'est d'or qu'on travaille, est-ce qu'on est obligé de dormir? Ou pas faire cigarette là? Ou pas faire abus d'alcool là? Pas trop. Fruits, légumes. Et pour quantité de protéines, utiliser plus poisson. Qui j'en cook? Qui l'huile? Est-ce que vous mettez à faire gros bouillon ou gros fricassé? Tout ça a des implications. Et l'on a fait, pas penser à tête ou seulement, fait avec toute famille. Commencez de tout au début, Timounio, Bayo, sans habitude ça, pour yon connaître. L'en sport, faut qu'on fasse un pile exercice pour capable faire balance là. So, ça n'a pas là, longévité. Li important pour nous, mais l'important pour la famille. Tout. Parce que si vous tombez plus bonheur, surtout si vous avez un ou pas fait éducation, eh bien, li agit sur toute famille. Li agit sur la communauté. Li agit sur le même pays. Parce que c'est nous-mêmes qui représentons la communauté. C'est nous-mêmes, chaque monde qui vient de créer une famille. Et c'est la famille ça qui mène la communauté. C'est la communauté ça qui mène vers une nation solide. So, je dis, je fais un petit rappel ça. S'il vous plaît, prends responsabilité ça à la main. Prends responsabilité ça. Parce que l'on fait pour vous, ou fait pour l'autre tout. Parce que ensemble, nous tissons le lien ça. Ensemble, c'est nous communauté. Ensemble, c'est nous-mêmes qui nation. So, la santé pas bon, santé pas l'autre là bon, nous avons une communauté qui plus fort, nous avons une communauté qui plus riche, parce que your health is your wealth. Nous avons une communauté et qui a extend à une nation qui a plus santé et qui a beaucoup plus productive. Et de là, nous avons une nation qui est beaucoup plus forte. C'est avec un plaisir que nous avec vous. Nous avons une petite pause, mais nous allons retourner avec vous pour nous parler plus spécifiquement de race, la longévité, la bataille, la vie. Qui côté un groupe mounier comparativement à l'autre. Si nous prenons une petite pause, nous après tout devine joindre nous pour nous parler de health disparité, disparité de santé, disparité, ça nous relie structural racism, systemic racism, qui impacte les gagnants la santé nous. Qui impacte les gens sur nous en tant que monde. So, à tout à l'heure. Parce que li OK pour pas OK.
Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'ai au senti. Parce que santé mentale au compte. Professionnels soins en caillou, c'est une partie importante dans l'équipe santé ak youn nan profession kap développé pi vite aux États-Unis. Assistant soins en caillou, c'est porté moun ki gen an pi de l'âge ak moun ki gen yon handicap pou yo ka rete vive la caillou sans danger. Les assistants yo aide yo nan activité tan kou kwit manje et puis fait achat nan maquette. Massachusetts offri yon formation gratis en ligne qui pral montre yo compétences ou besoin pour vignon professionnel kap travay nan yon caillou. Les ou bay soyons l'autre monde qui n'a besoin, c'est un coup à bailler la vie. Nous venons chita avec vous pour nous brasser l'idée sous question santé. Est-ce que nous vivons dans le même pays, par exemple aux États-Unis, un pays qui gagne en pile opportunité, un pays au côté de la science, c'est un carré, mon carré de maker of medicine, un pays côté vraiment gain tellement d'opportunités et tellement d'avancement dans le monde économique, social, dans toute forme. Mais est-ce que c'est même gens liés pour nous tous? Pour me capable expliquer ça m'a dit, hein? Vous voulez que comprendre bien? Je pas justifier. M'pa justifier inégalité. M'pa ka justifier et toupizi que yon groupe moun ap toupizi l'autre moun. Mais vle fò comprendre depuis le monde est monde. Toujours gen yon kap pese l'autre. C'est essence même la vie. Malé parfois pour me dire que l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est pivot même de notre existence. Dans n'importe pays, dans n'importe système, il est capable différent d'un pays à un autre, mais toujours dichotomie incapable pas aussi grande. Mais exploitation moun par moun, ça a toujours existé. Et pour sortir en Bali, faut planifier pour sortir en Bali. Si ou ap jam ka fin sorti. Mais parce que pas gen moun ka fò kado pour dire ah, m tout pizi ou assez, eh bien, bam la gè ou konye. Ça pa jam fait. Ni li pa jam rive fèt. Nou ka pale de sa nou rele équilibre social. Et pou équilibre social sa fèt, li dépend non seulement de ou même, et beaucoup plus de ou même, parce que même système là, pou le changer, li mande participation, li mande éducation, bon comprendre nous, pour capable jouer rôle pour là-dedans, ensemble avec l'autre là, qui pour permettre changement. Parce que ça cap, même ça cap tout pizou là, li pa rete en place, la mette plus sous li pour le cas tout pizou plus. Bon, prend exemple. Parce que ou pas cap parler de santé, si ou pas parler de politique et d'économie. Il fait partie intégrante de la vie. En prend pays ça. Pays ça, côté moins de 200 ans de ça, peut-être moins toujours, côté moun kankoum avec ou, si yo te ka joué nou ak un livre la main ou, parce que yo comprendre bien valeur éducation parce que gen moun jodi yo di si ou besoin d'être un pays
Ou pas besoin la gon bombe là-dedans, retirer l'école yo. Et son réalité. So l'entend ça, si yo te jeune avec un livre la main, yo t'a coupé droit tout, yo t'a pan nous tout. Et groupe moun sa yo n'a parlé nous-mêmes. Gen pile bataille qui fait côté nous hier jodi pour mener côté nous hier jodi. Et bataille a peut-être fait commencer. On dit par exemple la Kainou, c'était un grand premier, ça ne veut pas dire qu'on a pensé l'été possible. Que pays ça était qu'à hisser drapeau liberté, il dit liberté pour tout le monde. Et la vraie liberté. Parce que 1789, 1776, ce n'est pas pour nous. À ce moment, nous étions encore la chose du blanc. Quand on cheval, il n'y a disposé de où? Quand on n'importe quel animal. Et loi a été acceptée. Il n'y a pas nous gens qui voulaient faire tout ça. Sur 1804 fait, après ça qui a passé, on a des bois ici. Hein? Et, bon, je me rappelle, 1804 est fait par le sang et par le feu. Coupé tête boule caille. Très fier de mon passé. Très fier de passer pays. Coupé tête boule caille là. Ça, c'était la dialectique des âmes qui te mené nous, qui mettait dehors pour nous mettre, pour nous faire créer une patrie. Et peut-être pas pour nous, parce que c'est la vraie liberté que nous te mettons. La vraie liberté qui prend naissance en Haïti. Une liberté sans frontières, sans couleur, qui mettait à l'échelle universelle. Malheureusement, tant d'histoires qui étaient, ils n'ont pas parlé, ils ont étouffé, et puis, qui fait, et toute l'autre bagaille, nous connaît qui mettait de côté nous hier. Bon, pour me retourner dans l'affaire santé à toujours, ça c'est, sorti loin pour me capable d'expliquer ça, me voulait dire. Mais bon, ici, hein, si pas de game Bloody Sunday, si pas de game Rosa Parks, John Lewis et autres, si pas d'implication, même implication, ça mène dans la libération de South Africa. Même moun sa qui semblait avant ou yo, qui, pas de kakembe on li, si livre la tel en main yo, yo ta kap tuye yo, pan yo, mais l'embataille la vie, hein? Ça sou l'autre phase. Pas nécessairement par la violence, mais par ça n'est les non-violence, mais yo converti moun pour arriver à Obama, pour arriver à vice-président et tant d'autres. Mais nous capables brad bravo pour tout le monde ça fait. Est-ce que bataille ça nous capreté avec une certaine nonchalance, nous dit, OK, il est arrivé. Mais non! C'est une bataille qui vous fait tout le temps. On regarde de côté nous aujourd'hui. N'a parlé de disparité qui gagne. N'a parlé, ça nous est le structural racism. Aujourd'hui, côté infant mortalité pour les gens noirs, les rampants, boy ici, côté l'homme qui a médecine, il monte plus à 37%. Et l'homme bon état, oui, si nous comparons dans l'autre état, quand le Mississippi, eh bien, bon, c'était chargé net. Mais la passe en bas de tout le monde. Nous parlons de sucre, diabetes, qui l'anti-moun. Parce que si vous n'avez pas de jeunesse, vous n'avez pas de la vie, vous n'avez pas de demain. Il dépend de jeunesse ou. Mais si ti moun sa yo l'an 10 à 19 ans ou rend nous compte que chance yo même pour yo gen type 2 diabetes la li 8 fois plus CDC hein c'est pas inventé c'est 8 fois plus la caillou que caillou blanc c'est et ti moun sa qui pral dépendre pour demain même ti moun sa yo l'on regarde juvenile incarceration 41-42%. C'est tout le monde noir qui est.
nous dépendons de eux pour la société avancer. À school drop out. Les plus qu'un noir. Regardez combien de gens qui mourent par gang violence. Gang violence, qui est-ce qui est affecté plus? Quand ça a passé dans le côté de Chicago et autres. Donc, là, nous avons dit, même longévité que nous avons parlé, le plus grave dans la communauté, non, le plus grave, c'est le noir. Parce que l'associé avec la pauvreté, l'associé avec l'ignorance, l'associé avec l'environnement, l'entour. Il y a tout ça qui entre dans ça, qui permet que les groupes de gens mourent plus bonheur. Je prends le dépit en bas pour montrer. Pendant que nous faisons tout le progrès, nous devons dire, bon, qu'on y a, nous l'arrivons. Mais non, parce que c'est deux sens là-bas. Qu'on y a demandé pour ignorer l'histoire, ou pas qu'à qu'on histoire, ou pas exister. Ou pas qu'on histoire. Comment qu'à comprendre ça? Hein? Pour histoire ou pour ne pas permettre tout pour qu'on qui est souillé, qu'on est sorti. Tout ça, yo, y a passé asphyxie là. Là. Côté, yo te dit que ou manque un chromosome. Ou pas même qu'arriver parce que c'est pareil sur yo pas fait. Ou pas qu'à aller plus loin. Mais là, on est en phase compétitive qu'on y a changé. Attention, que c'est le sport, que c'est la musique, l'éducation, tout bagaille tout, oui. Nous, la phase compétitive. So, c'est réalité ça. C'est réalité ça arrivé côté nous, hein, parce que y a des gens qui acceptent, consentent des sacrifices et sacrifices. Et bien, pour toute vie, pour l'avancement de cause ça. Mais question à poser ou qu'à arrêter à pas applaudir l'autre monde qui fait tout sacrifice ça? Question à poser et ou même? Essayez pas passer l'autre monde, passer tête pas, passer ou c'est yon pion ou son maillon dans la chaîne. L'aile brisée, il empêche une bonne marche là. Qui sont faits pour protéger tête ou avec les moyens du bord, avec connaissance qu'on gagne. Ou still capable de protéger tête ou pour aller plus loin. Parce que l'aller plus loin, ou pas aller seulement pour tête ou aller pour famille ou aller pour communauté ou aller pour toute nation. Donc, je dis à Samzou là, la situation n'est pas tellement simple, elle est compliquée. Et là, on a parlé, nous pas même à parler de santé. Tout ça, mental health. Déséquilibre mental, ça. Songez, c'est ça qui peut mener. Habilité de penser, c'est l'allié. Si me lever même, c'est brain moins. Si ma parle avant, c'est là. L'être tout décalage, ça a commencé à faire en l'air. Dans le computer, ça là. Ou perdit balance, ça. Ça veut dire situation les plus graves. Ce jeudi, on a parlé non seulement physique, mais santé mentale. C'est une crise. C'est une crise liée. Non seulement ça, mais il y a l'autre bagaille, comme une drogue, qui est impliquée là-dedans. Mais pour ça, après COVID, après toute l'autre situation, pour nous autres spécifiquement haïtiens, après tremblement de terre, après Matthew, après tout ça, et puis socialement, qu'on déséquilibre total, la caillou, on va demander combien de temps on rete, combien de temps on va vivre. Et puis, ou même qui boit ici, l'autre prend téléphone sorti, qui s'allie.
Est-ce que yo kidnappe un cousin ou un frère ou ça ou bien yo tue l? Là ou comprenn ou vraiment balancé ou pas parler ou pas discuter avec l'autre monde. Ben y a plein mais pas gen plan. Ba konnen ba gon baguette magique vous dit même moi même tout même j'en m'a plein là tout. Nous pas gen plan. Et plan li pa ka sorti kote adversaire yo. Que soit des années des équilibres ça parce que ça nous te connaît la vini. Nous connaît de arriver là. Parce que ça pour nous te faire pas faire. Ça moun dit en bon dit en avant yo pas de faire grand grand papa pas de faire tout l'autre monde qui menen là côté nous aujourd'hui en tant que peuple, en tant que nation, en tant que communauté. Gen l'autre monde qui dit que pas de problème sans solution, gen seulement problème mal posé. Ah, c'est capable vrai. Mais c'est participation. Pour participation tête en bas, une participation dans la logique, logique scientifique, pour garder d'abord tête pas. Qui ont qu'à protéger tête parce que sous albay faut qu'on existe pour bay. Ou pas qu'à bay sous pas là. Qui contribution qu'à porter commencez par tête pour d'abord. Est-ce qu'on a équilibre là? Est-ce qu'on sent équilibré mentalement? Nous parler de tout médical. Après tout ça ou là. Les difficiles, l'on dit haïtien, est-ce qu'on s'entend dépresse? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas comment dépresse là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui décrit un bagage de baillon. Ou senti corps serré, ou qu'on rete ou ap crier, ou triste, ou pas qu'à dormir, ça qui passe. Tout ça, c'est facteur qui, moun nan rete, c'est l'el rendre compte ça, c'est la condition ça qui a déroulé la kale. Et quand l'église là, qui j'en l'église là engagé dans ça? Est-ce que l'église là engagé là-dedans? Est-ce que vous-même en tant que citoyen engagé? Et cela comment? Moi-même, quand je parle, je n'ai pas de solution. Mais je pense qu'il faut que nous parlions. Je pense qu'il faut que nous discutions. Et peut-être, à travers ça, il y a une solution qui a sorti. Si nous discutons déjà son thérapie, si moi-même avons parlé là, de ça n'apprend, et pour qui ça, côté le sorti, qui Jean? Qui est-ce qui contribue là-dedans? Quand vous n'avez pas tout là-dedans, est-ce que pas la gueule seulement sur deux voisins? Hein? Nous connaissons les voisins là depuis l'existence, nous. C'est ça lié. Mais ça ne veut pas dire pour lâcher prise et pour quitter ça aller. Voilà, merci. Mais non. Sur la petite conversation aujourd'hui, hein? Nous souhaitons nous arriver à une prise de conscience. Commencez par nous-mêmes. Une prise de conscience qui dit que ne pas permettre à un citoyen pour prendre chemin de désespoir pour payer. Ne pas permettre à un monde pour ramasser des espoirs pour tête ou pour famille ou tout. Si vous commencez par tête ou pour dire non. Puisque en moi-même, moi gain santé, gain l'argent pour vivre avec spiritualité, l'homme a connu trois ça, ou retrouver rejoindre nous, ou cache nous l'autre élan, et surtout l'a discuter avec l'autre monde, une raison d'être. Pendant boy ici à là, oui faut que nous aller, mais pas aller sans qu'on pas tracer ou pas tracer son chemin. Pas mettre le plus difficile pour ça qu'à venir. Si on prend soin de tête ou on trace ça, eh bien l'autre là la pi facile pour lui. Est-ce que j'ai une solution après tout ça me dit yo?
Mba konen. Mais gon nèg mwen men en pile. Mwen men monsieur en pile. Map kito ak sal te di. Son dominicain, c'est un mexicain. Qui dit caminante. No hay camino. El camino se hace al andar. En d'autres termes, voyageur, pas de chemin, non? Mais le chemin se fait en marchant. Ou kon wè nèg an deyò, k'ap rentre ak ou manchette lan men, la koupe lyon pou fè chemin pou le passé. Nous fè sa yo déjà. Peut-être ou même qui nèg la ville ou pa konnen. Mais nèg an deyò manchette li lan men, la koupe lyon, li fè chemin pou sak pa dèl yo k'suiv li. Pour bon côté pour y passer. Pour qui ça m'a sorti en santé pour m'arriver jusque là. Mais c'est partie intégrante, c'est même bagala n'a parlé toujours. C'est ou même qui voyage aujourd'hui dans le chemin de la vie. Même l'eau elle barre pas de chemin du tout. Mais c'est où qu'a tracé. L'eau commence à tracer ensemble avant badgel au cas où route la fête et même un highway. Pour nous tous. Zanset nou yo fèl tout. Mwen te di ke, nan fin 16e siyèk la, nan sikonstans ki depase l'imajinasyon de l'om, zanset nou yo kriye tunel l'histoire ki debouche sou boulevard Liberté. Nou ka rekriye l tout. Même j'ai été creusé tunnel ça pour boucher sur qui déboucher sur boulevard Liberté ensemble en mettre tête nous pour travailler pour ca regagner monde que nous y en tant qu'être humain qui sur la terre nous fait partie intégrante de l'espèce humaine en travail commencer par tête nous promettre nous n'a pas retourné encore sous cause ça parce que c'est nécessaire non seulement pour nous mais pour génération qui va venir. À la prochaine. Parce que li OK pour pas OK. Parce que parler capable grande bagaille au meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours bon raison pour partager qui j'en au senti. Parce que santé mentale au compte. Parce que li OK pour pas OK. Parce que parler capable grande bagaille au meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours bon raison pour partager qui j'en au senti. Parce que santé mentale au compte. Welcome, everyone. Hi, Dr. Ojukwuru. Thank Hi, you for how are you? Good. Thank you for joining us. Thank you all for watching. For those of you who are not familiar with our guests, we have Dr. Ojukwuru, who is the Executive Director of the Boston Public Health Commission, joining us for an amazing conversation today about the different things that are going on in the city when we talk about racism as a public health crisis. We'll also go into some conversations about the mass health reinstatement
So lots to learn, lots to understand, lots to gather, and a lot to share. So we welcome you and thank you for being here. My name is Brenda Lormill. I am the founder of the Haitian American Medical Association. I also practice at Mass General Hospital in the oncology department, phase one research. I am so honored to be here, to be chatting with Dr. Ojukwudu. So I will not waste any time because I know there's a lot that we want to cover, but I want to jump into the conversation by having a basic definition. So we've heard the word or the term, per se, racism, right? Structural racism. Can you just define that in the most basic way for us to really just dive into the conversation and get context? Sure, and thank you so much for having me. You're right. A lot of people are using the term structural racism, and unfortunately, it oftentimes doesn't come along with a definition, and it's sometimes confused with other forms of racism, which I will also mention. Structural racism itself is really about systems. So systems in which policies and institutions create and then perpetuate racial inequity, socially, economically, and politically, and oftentimes this leads to poor health outcomes. When I say systems, I'm talking about the context of the world that we live in. It's not about what happens within an individual medical institution or within an individual academic institution. It's really about all the institutions. It's really about our entire system. And another way that I tend to explain structural racism, it's really about a system of hierarchy, privilege, and power that excludes non-white individuals and then perpetuates racial inequity. I hope that is clear. No, that is very clear. And it's actually segueing into my next question is you use the word systems, right? So we talk about structural racism is a system. Can you give an example of how structural racism as a system can affect the health outcomes of an individual and even a community based off of the work that you do at the Boston Public Health Commission? Well, I think there are a number of really profound examples that have been within our system for centuries almost. So if you think about housing, and housing both nationally and housing both locally here in Boston, we know that the U.S. has a history of racially biased housing policy. An example of that is redlining, and I'll define redlining. So it's another word that oftentimes is thrown around and then not really well defined. So redlining was a system of ranking neighborhoods by their worthiness for home ownership. So whether or not homes were increasing in value or decreasing in value. And essentially, the neighborhoods where Black people lived were often deemed less valuable and less worthy for home ownership, and therefore mortgages were not given out, all right? So they were impossible for Black people, many Black people, to obtain. And without home ownership over decades, there's been a significant loss of generational wealth within communities of color. And that has led, in many circumstances, this issue of this history and policy of redlining, to residential segregation. So and you look across the city of Boston, you see that there are areas where primarily Black and brown people live, and then you have areas where primarily white and wealthier individuals live. And what happens within those neighborhoods where you have these sort of lower rates of home ownership, lower values in terms of the homes or the properties that are there, oftentimes those neighborhoods are under-resourced in general. So under-resourced in regards to healthcare services, under-resourced in terms of other services that may be provided. And if you look just at our housing, you know, sort of challenges here in Boston, you know, the quality and affordability of housing within neighborhoods across Boston is a challenge. So that's one example and one way to look at it. But we could also talk about discriminatory immigration policies. We could also talk about mass incarceration. We could talk about employment. It's really throughout all of the systems that we see across our city and across our country and beyond. I love that answer because we may look at housing as an issue, but then when we think about health, the health of an individual, if I can't secure a place, a safe place to stay,
how does that then affect my overall health and the health of my family, right? Exactly. I love it because as a clinician, we look at these things, right? The person who's coming into the institution, we're caring for them within the four walls of the institution. But what happens outside of our four walls is actually what's determining how well their health outcomes are when we're caring for them. So I love the housing example, and thank you for using that as an example. As we use that and segue into health inequities, that's leading up to my next question. Before we get into my next question, can you define what health inequities are? Mm-hmm. So generally, health equity is when everybody has a chance to live their best life, right? So that everybody has access to resources, everybody has a full and equal, well, a full life expectancy, or at least some somewhat similar life expectancy across race and ethnicity. When you're talking about racial inequities, you're really talking about differences across people. You're talking about looking at a situation where amongst Black individuals, and I'll just give you some updated data. If you look from 2017 to 2021, Black residents in Boston experienced a 37% increase in premature mortality. That's across that time span. But there were no significant changes in the rate of premature mortality amongst Asian, Latinx, or white residents during that time period. So there's a clear inequity in regards to mortality and in regards to life expectancy. If you look at life expectancy in Boston, we know that the average life expectancy across all residents is approximately 81. But let's compare that to the life expectancy amongst Black males, which is actually more around 71. So these are the data that we have. We know they exist. They demonstrate pervasive inequities across our system. And with that data that you guys have, and data doesn't lie, right. What are you guys at the Boston Health Commission? How are you combating some of these issues that you guys are seeing? Some of these things that we probably have known for some time, but then there are other things that always pop up, right? How are you guys combating the health inequities that you're discovering in the city of Boston? Well, I think that one of the ways that public health works in general is that we spend a lot of time, aggregating data, which is kind of what I tried to, give you just a snapshot of or a snippet of. And then we look at the programs that are offered. We look at the strategies that we're going to implement. And we attempt to sort of match the problems that we see in the data to whatever programs and interventions that we're hoping to implement. So, for example, within the COVID-19 response, we know that there was inequitable access across our city in regards to testing, in regards to vaccination, especially early on, right? Mm-hmm. So what we did is we prioritized equity in our response, and we removed barriers to accessing all of those things, accessing testing, accessing vaccination, accessing treatment. And currently we have standing sites for vaccinations and boosters in the areas where we saw those inequities. So we have a standing site in Dorchester, we have one in Nubian Square, Roxbury, we have one in Hyde Park, and we have them in more general locations, because of course we want to make sure that all residents have access. So that's one example. Mm-hmm. But there are numerous. So right. We are all aware, during COVID-19 and after COVID-19, what we're currently experiencing now in terms of sort of post the surges that we've had and the lockdown, mental health has been a major concern for people. And one of the things that we know has been a challenge is there's certainly stigma in regards to accessing care and treatment in regards to mental health. But then we also have a lack of mental health providers within our communities, both mental health providers that look like us, as well as those who are linguistically competent and able to, communicate with a diverse patient population. Mm-hmm. So one of the things that we've invested in here at the Boston Public Health Commission is a new Center for Behavioral Health and Wellness, where we are in the process of training a whole slew of healthcare providers who will be prepared and able to provide services to individuals coming from diverse backgrounds. So again, we look at the problem and then we try to find equitable solutions. And the solutions are ongoing, right? Just hearing, absolutely. Right? They're ongoing. Some of us might feel like we're out of COVID, which
which is not true, right? But the vans are still there. The sites are still there. The people are still there. The mobilization is still happening to meet the needs of the community. I know we're not at the end, but I want to take some time to just say thank you for all the work that you guys are doing around, you know, how to support people through COVID and these post-COVID times. So, you know, we talk about healthcare access to it, but there's something that's happening in April that's coming up, and April's in just a few days, the mass health redetermination, right? Yes. So we can find hospitals and clinics, but if we don't have health insurance, which is a mandate in the state of Massachusetts, how do we support our communities? But if we do have insurance, how do we keep it? Can you explain the mass health redetermination process so our viewers have a better understanding? So this is incredibly important, and it's important that even if you're hearing this and you don't have MassHealth, that you spread the word. Essentially, MassHealth needs to renew coverage for all members, essentially determine eligibility on an annual basis. And that has just been a standard in terms of sort of the policies in relationship to MassHealth. During this period of redetermination, people who have MassHealth need to update their information so they can maintain their benefits. If they don't, then they will no longer have access. So this is sort of, again, just a standard part of MassHealth as an insurance source. During COVID, redetermination, so this checking to see if people are eligible, was temporarily paused. And that was important because so many people, you know, either didn't have there was, you know, obviously we were in a lockdown, people didn't have access. There were many issues that were ongoing, and certainly people weren't necessarily accessing our community health centers or other service areas where they may even get assistance in regards to redetermination. So this year, we will no longer have that that freedom to not redetermine eligibility. So what will happen is that people will need to go through the process again. And think about it, if you haven't been doing something for 3 years and now all of a sudden you have to do it, you may not be as familiar with it anymore. You may ignore the notices that come in the mail. It may not be something that's at the top of your mind. And what we anticipate may happen is that a lot of people will lose coverage and then not have access to necessary health services. This is something we are really trying to avoid. We want to make sure that if people they have MassHealth, if they have received a notification in the mail, that they open it, and if it's not clear to them, that they reach out for help. And that's one of the things that we're doing here at the Boston Public Health Commission. It's something we do continuously. This is one of our long-standing services. We provide what's called the Mayor's Health Line. And we have people who are manning telephones, and they are specialists in mass health and in coverage and in making sure that people are linked to care. For all those individuals who either miss the envelope, the blue envelope that I mentioned, or if they have questions, or if they need to have somebody help them interpret the information that's in the blue envelope, this is where they should call. They should call 617-534-5050. Monday through Friday, 9 to 5. We have people who speak more than 5 languages. It's free, it's confidential, it has nothing to do with immigration status. No one's going to ask you those questions. It's simply there to provide you with assistance. So please avail yourself of that service. Please utilize it and spread the word. Thank you. And for the process itself, is there a cutoff in terms, I know it starts in April, but is there a particular time frame that folks should be, you know, reaching out if they need help by a specific date? So once you get the blue envelope, that's when you need to be reaching out. Okay. This is going to be a long-term process over the course of a year. I do not know. There's going to be a due date that's on the renewal package. You will see that renewal. You will see that due date. And that is what you need to pay most attention to. And when you call the Mayor's Helpline, which is the number I gave you, 617-534-5050, they will help you figure out exactly what your sort of your time period is. If they're, and they'll help you address anything that, that you know, has caused a problem. And if you've already tried to, you know, renew or had your eligibility redetermined, they will assist you with that process. One thing that that comes to the forefront of my mind is that in the past 3 years, so this hasn't been a process because of COVID, of course, but a lot of people may have moved
and they might not even receive that blue envelope. So right. if you hear the number that Dr. Ojukwuru just mentioned, and it'll most likely be at the bottom of the screen, don't hesitate to call that number, because if you've moved and the address that they have on file currently is not where you're living, you want to make sure that you're reaching out and updating that information as soon as possible, because your due date is on that envelope. And if you don't receive it, then you have a due date of today, right? That you want to call. You want to call and get that underway. Are there any other community organizations that are helping folks? I know there's HCFA, Healthcare for All. My Ombudsman. You know, is there anyone else that folks who might be more comfortable to reach out to other community organizations that you can think of? So many people have started going back to their healthcare providers, and our community health center partners, we have wonderful community health centers in the city of Boston. They are offering similar services. Boston Medical Center is offering similar services. MGH and Brigham and Women's Hospital, they're all trying to help. We try to augment that, because the issue is that some people are not accessing health services than they need to, right? So we're trying to sort of fill in the gaps of all of the wonderful work that's going on in terms of what our healthcare partners are doing. And certainly Healthcare for All, as you've mentioned, is a wonderful organization that's doing an enormous amount of work. Yeah, I will say for our Haitian community, we're working on getting that information in the Haitian Creole language over a live stream. So that will be available for folks to understand. And I love it that you had mentioned when they do call in, there are folks who speak different languages who can assist. Sometimes folks do not engage because they're afraid of that linguistic barrier. So if you're listening to this, share the information with your loved ones, with your community. Know that there is help. We do not want you to have a lapse in your insurance, because that is also your key to accessing care as well. Dr. Ojukwuru, any closing remarks? I know we're coming right up to time, and I just want to thank you for sharing everything. Anything you want to share with folks who are listening? Well, I think one of the things I want to share is that we at the Boston Public Health Commission are a resource. And there are many programs that we have out there, but if there are things that you think that we are, you know, not doing, or things that you would like to see happen, then reach out. Let us know. Send an email. We have an info. We have an info line. We have, you know, people who are out in the street. You'll see us, you know, at different events. We want to be here to serve. Our goal, our mission is to, you know, meet the needs of Boston residents, and that's what we're here to do. We have a lot of programs that I think oftentimes people are not aware of. We are going to try to do a better job of letting people know the services that we provide. I think that's one of my goals since I've started in this position. And so maybe you'll see more of us out in the community also. Well, I have to say thank you for all the work that you guys have done. And thank you for the work that is to come. And thank you also for your time this morning. Thank you. I really appreciate it and look forward to potentially talking again. Awesome. Thank you. Take care. Paske li oké pou pa oké. Paske pale kapab rann bagay yo miyo. Paske essayer communiquer, c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai ressenti. Parce que santé mentale au compte.